général en vous en posant quelques questions. Combien d'entre nous sont satisfaits du goût des légumes du supermarché? Et quels sont ceux qui aimeraient voir la monoculture gagner l'ensemble du paysage rural français? Enfin, qui souhaite continuer à encourager une agriculture qui détruit l'environnement? Ce sont nos études de paysage puis d'agroécologie qui nous ont permis de questionner les impacts des activités humaines sur le territoire et la société. Ce même parcours nous a amenés à devenir des acteurs concrets du paysage par la culture de la terre. Mais comment allons-nous devenir paysans en 2017? Nous allons dans un premier temps acquérir du foncier, une petite surface de quelques hectares, pour y pratiquer le maraîchage, qui est une activité qui nécessite de faibles investissements et qui permet de réaliser rapidement des bénéfices. Des bénéfices seront investis dans la diversification des activités de la ferme, par la plantation d'un verger ou même l'élevage. Ces bénéfices serviront également à financer un laboratoire de transformation pour l'élaboration de produits à forte valeur ajoutée, ainsi que des locaux pour l'accueil à la ferme. Ces produits issus d'une agriculture biologique sont distribués aux habitants et aux structures publiques dans un rayon proche. Les événements sont l'occasion de partager valeurs, savoir-faire et expériences. En somme, ce n'est pas qu'un projet professionnel que nous sommes venus vous présenter, c'est aussi un projet de vie qui a la volonté de participer aux activités locales tout en étant en accord avec l'environnement.